Mars Lander, what's happening up there? Aujourd'hui, nous sommes à Lille, au Britney. Je suis avec Thibaut, un des trois fondateurs de la maison, qui va nous expliquer d'où vient ce joli projet et ce lieu magnifique. En fait, le lieu, c'est un espèce de croisement de plein d'envies du moment. On était par hasard deux des créateurs en Espagne. Et on était à fond sur le mood tapas, donc un à Séville et l'autre à San Sebastian. Et donc ça nous plaisait bien. Et dans le même temps, il y a une personne à qui on travaille au Babe, un des consultants, qui nous a invités à Paris à l'avant-comptoir chez Candebord, où on a juste adoré. On est resté, enfin, je crois qu'on est arrivé à 13h, on est parti à 17h. Ce délire de partager de la gastronomie, mais dans des petites portions en buvant du pinard. On n'a jamais parlé, utilisé le mot tapas, mais finalement c'est un peu l'idée. C'est l'idée de se retrouver autour d'une table avec plein de copains. Sur tous les murs, on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Et en fait, on envoie des tournées, tu vois, c'est pas genre on prend une entrée, un plat, un dessert, c'est ok, on est 6, on va commencer à prendre ça, et puis après on va prendre ça, et ça nous plaisait bien. On allait chez notre archi qui est gantois, et on écoutait la radio flamande, et il y a eu un morceau de Justin Timberlake, et il nous a demandé à ce moment-là, on a besoin d'un nom pour le projet, parce que ils avaient besoin pour un dossier de mettre un nom, et comme on écoutait Justin, on a dit mais Britney, Britney. Tout le monde l'aime bien, quelque part. Elle est hyper bienveillante, elle est réconfortante. Et il y a le côté un peu guilty pleasure de Britney, quoi, tu vois. Maintenant, il y a prescription, mais t'entends Oops, I did it again, un truc comme ça. Dans ta voiture, t'es tout seul, t'es quand même content. Donc... Thibaut, alors, tu viens d'où? C'est quoi ton parcours? Là maintenant, je suis en cuisine avec Théodore Tedrev, qui est le chef du restaurant Britney, et qui va nous expliquer comment il a bâti sa carte et est-ce qu'il y a des destinations dans le monde, des pays qui l'ont inspiré. C'est pas tellement les voyages qui nous ont inspiré, c'est plus ceux qu'on a croisés qui eux avaient fait des voyages. Avant de venir ici, on était à Paris, au Bel Ordinaire, c'était un restaurant avec Sébastien, tenu par Sébastien Demorand, et qui lui connaissait toute la cuisine et surtout justement la cuisine du voyage et qui nous a appris à s'ouvrir aux autres. Là on voit qu'il y a des tataki, de l'ail noir, du za'atar. Toi, qu'est-ce que tu préfères faire ici? C'est quoi le plat dans lequel tu t'éclates le plus? Celui dans lequel je m'éclate le plus pour l'instant, c'est le kebab. On l'enlève souvent mais on le remplace souvent aussi en fait. Pour moi, là où on mange le mieux et où on a plus de plaisir, c'était les pays scandinaves. Ah oui. Vraiment le top du top, Copenhague. C'est pas une cuisine que j'aime faire, mais c'est une cuisine que j'aime manger parce qu'elle est légère. C'est un truc inconnu, hein. Ça s'appelle le bistrot romain. Ils ont 70 ans ceux qui tiennent ça. Genre, tu demandes des cacahuètes, tu les mets sur le comptoir, tu vois. Ça, je trouve ça génial. Il y a des oiseaux qui se baladent dans le truc. C'est vraiment, tu rentres dedans, t'as plus de problème en fait. Tu vois, il y a personne qui va te parler du quotidien là-dedans parce que je crois qu'ils sont. Alors eux, c'est vraiment le bistrot du passé en fait. Tu vas, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'ils sont dans ce truc-là depuis des années. Ils ont les murs, ils ont tout. Ils servent des bières et du Ricard plus par habitude. Je ne sais même pas si eux savent pourquoi ils sont là. Et c'est génial. Donc ça, c'est pour se détendre un petit peu. Pour bien manger les éphérites chez mon pote Alex. C'est ultra sincère. Moi, je trouve que c'est hyper important dans un restaurant, la sincérité. Sinon, évidemment, les classiques empreintes roseaux qui sont des tables magnifiques. Au goût du jour aussi, qui est super. Allez, allô, ouais. Merci Thibaut. Mais de rien, vraiment. Ça... Merci Thibaut pour ton accueil. On n'a pas beaucoup dormi en fait. Ce matin, Delicious Nid. Hop, voilà. Ah, voilà. Non, mais c'était bien.